happened here? I'm killing you alive? They're all playing black man. Are you serious? Le red door, yellow door, challenge. Je suis sûr que vous avez déjà dû entendre ce nom, tu vois. T'as déjà dû le voir, tu vois. T'as déjà dû voir ce challenge, mais tu savais pas comment il s'appelle. Et je pense que beaucoup, vous l'avez vu principalement sur TikTok. Tu l'as vu, mais tu connaissais pas le nom, alors je vais te le répéter encore une fois. Le Red Door, Yellow Door Challenge. C'est un challenge qui a fait flipper tout le monde sur TikTok et sur Internet, du coup. Pourquoi? Je vais te le dire dans cette vidéo, petit champignon. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de m'exploser la barre des likes. N'oublie pas de t'abonner aussi si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Bref, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comment ça va, Bismillah, Choubali, Shalom. Allez, c'est parti, on boit un petit peu d'eau. Ce début de vidéo, il est assez explosif, tu vois. Tout a commencé, du coup, sur TikTok. Voilà, alors d'abord, je vais vous dire bonjour d'abord. Hey, yo, what's up? Ça donne le rigolo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un challenge vraiment extrêmement flippant qui est apparu sur TikTok comme ça, de nulle part. Et je pense que vous allez vraiment kiffer. Et là, je me gratte les aisselles et tu kiffes vraiment. Non, on va se calmer. Arrête, arrête. Tout a commencé sur TikTok, comme je vous l'ai dit, où une fille a posté une photo d'elle en train de faire ce challenge qui s'appelle le Red Door, Yellow Door Challenge. Et avant d'expliquer, là je vais être un petit peu plus sérieux. Ne faites vraiment pas ce challenge, vraiment. Je suis sérieux pour une fois, c'est un ne le faites pas de vrai, tu vois. C'est pas ne le faites pas du catch, tu vois. Faites vraiment pas ce challenge parce que c'est ultra bizarre comme truc. Et moi, même moi personnellement, je sais vraiment pas si je vais le faire en vidéo, sauf s'il y a 30 000 likes sur cette vidéo. Mais on fait tout pour le divertissement. For the entertaining. Maintenant, continue la vidéo. Cette fille poste ce TikTok, du coup sur TikTok, et c'est le buzz intersidéral. Pourquoi? Parce que dans ce TikTok, il s'est passé un truc qui est vraiment flippant et qu'on peut pas du tout expliquer en fait. Personne ne sait si c'est fake ou réel, mais c'est vraiment extrêmement flippant comme le montre cette vidéo. Hear anything? No. It's like neon white. I'm in a totally different room now. It's all white. All white? Is there anyone with you? No. Wait, this dude is just all playing black man. Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all playing black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. Hey. He was in the game. Okay. Are you okay? What? No. Oh my god. What? Oh no, you're fine, you're fine. I woke you up. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe pendant le challenge? Comment tu expliques? On fait comment et tout? Explique-nous, impose-nous tes choses. Comment est-ce que ça marche? Alors, avant de vous expliquer comment se fait le challenge, je vais d'abord vous expliquer d'où il vient en fait. On sait pas d'où il vient. Voilà, on ne sait pas. D'où il vient. Mais c'est un challenge qui est vraiment flippant. Pourquoi? Parce qu'il y a des apparitions et des trucs vraiment bizarres en le faisant en fait. C'est un truc que vous pouvez faire dans la vraie vie. Voilà. Et maintenant on va passer à l'explication. Donc ce challenge se fait à deux. Reste tranquille. Non non, reste tranquille. Tu me touches pas. Arrête. Une personne doit être allongée sur un coussin qui est sur les jambes de la deuxième personne, qui elle doit mettre deux doigts sur les tempes de la première personne donc qui était allongée. Et en mettant ses doigts, elles doivent tourner en rond comme ça, tu vois, comme une espèce de massage pour faire passer une migraine, tu vois. Et en même temps qu'elle fait cette espèce de massage de la boîte crânienne, elle doit répéter des choses très bizarres qui sont red door, yellow door, any other color door, qui veut dire porte rouge, porte jaune, n'importe quelle autre couleur de porte. Et c'est à partir de là que ça part en couille. Voilà. À partir de là, ça part, tu vois, des couilles de taureau. Tu vas commencer un peu, non? Moi non plus, je sais pas comment c'est, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà, c'est... Croyez pas que je sais comment c'est fait. Voilà, c'est une bavure. Pas policière, non, une bavure de vidéo. Bah, en fait, les trucs qui se passent après que la personne ait récité ces trucs un petit peu bizarres tout en faisant ce geste-là sur la tête, en fait, et que la personne ait les yeux fermés, on sait pas pourquoi, mais la personne part. Ah, genre, il se lève, il dit, allez, ciao. Non, non, c'est pas un massage, on n'est pas chez le kiné, là, reste tranquille, t'as pas compris, t'es con, je crois. Arrête. Il part dans le sens où il est plus vraiment là, en fait. Genre, c'est comme si son esprit était... C'est comme s'il était en train de rêver. Mais
est réveillée en fait. C'est comme l'état de transe, tu vois. Pas transsexuel, non, non. Arrête de faire le con. Arrête. Mais en gros, la personne, elle est comme hypnotisée, si tu veux, tu vois. Du coup, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, la personne qui est allongée, donc qui est en transe, qui est hypnotisée, elle voit quelque chose d'autre. Elle est comme dans un rêve en fait, où elle voit plusieurs portes de plusieurs couleurs. C'est un truc de fou, ce channel. C'est un truc de malade. C'est Inception le délire. Bref. Du coup, la personne, elle doit ouvrir les portes et voir ce qu'il y a à l'intérieur et essayer de sortir de cet état de transe en fait. Et donc, la personne qui est allongée, qui est dans l'état de transe, elle doit être aidée de la personne qui lui fait le massage bizarre, tu vois. Sauf qu'il y a des trucs qui vont pas et c'est pour ça que ça buzz autant en fait. Déjà, les trucs flippants, c'est que de 1, ça a pas l'air fake. De 2, la personne peut rester bloquée, coincée dans cette espèce de monde bizarre, tu vois. Du coup, un peu comme dans Inception, tu vois, où t'es coincé quelque part dans ta tête, voilà. Et il y a d'autres trucs bizarres, donc ça, c'est le 3. Apparemment, les personnes qui ont fait ce challenge, elles ont dit qu'elles ont dit avoir vu un homme habillé tout en noir, tu vois, et d'autres, une vieille dame. Et apparemment, dans les deux cas, c'est très très mauvais signe. Il faut essayer de s'échapper au plus vite ou alors arrêter complètement, parce que sinon tu restes coincé à jamais. Et je pense que cette vidéo va vous le montrer en fait. Jen, what's so funny? Jen, what's so funny? Jen, what's so funny? Jen, what are you laughing at? Mais oui, madame, si moi un jour j'ai fait le challenge, est-ce qu'on peut sortir quand on est coincé dans la tête et on voit le vieux ou le mec, est-ce qu'on peut sortir? C'est compliqué en fait. Dans la vidéo que je viens de vous montrer, apparemment c'est comme dans Inception, tu vois. La personne lui met des claques ou le mec a une impression de chuter, tu vois, et il se réveille tout de suite. Un petit peu comme dans un rêve. Et ça marche pour sortir de cet état de transe. Mais le problème, c'est si ça suffit pas en fait. Si au bout d'une claque ou deux, ou même si on te fait tomber une remorque dessus, tu te réveilles pas. Si on te fait tomber une remorque, tu te réveilles pas parce que t'es mort un peu. Donc c'est la logique des choses. C'est la logique des choses en fait. Mais si ça suffit pas en fait, si 2-3 claques te réveillent pas en fait, comment est-ce que tu fais? Parce qu'à l'en fait, il y a une solution qui s'appelle pas de solution. Voilà, tu restes bloqué dans ta tête. Et c'est ça qui est hyper dangereux en fait, parce que ce challenge, ça s'apparente vraiment beaucoup à de l'hypnose en fait, tu vois. Tu as le bail de vos paupières sont lourdes, ah là là. Tu vois un arbre devant toi tout d'un coup. Oh, il y a une mouette qui passe. Elle t'endort et tu te sens de plus en plus lourde. C'était pour te montrer c'est quoi l'hypnose au cas où t'es con, tu vois. Mais c'est un petit peu comme ça en fait, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et ça peut être hyper dangereux en fait si tu contrôles pas l'hypnose, si tu sais pas ce que c'est, si tu fais de la merde en fait. Parce que ça peut faire des trucs qu'on contrôle pas en fait. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ce challenge. Pourquoi? Parce que ça m'a... C'est ouf en fait, c'est ouf parce que tu sais pas si c'est fake ou pas. Il y a des vidéos et il y en a plein, c'est pas ça qui manque. Et tout se passe dans la tête. Et ça, c'est énorme parce que on voit pas ce qui se passe, il y a l'air de se passer un truc. C'est kiffant. J'ai crié un peu. Pardon, oui. Méchant la bouche, méchant. Mais vraiment, pour une fois, je vous parle sérieusement. Et là, je pense que c'est l'heure de montrer mon talent d'influenceur, vous influencer en quelque sorte. Ne faites vraiment pas ce challenge. Moi non plus, je vais pas le faire. Voilà, pour une fois, tu vois. Sauf s'il y a 30 000 likes sur la vidéo. Mais ne le faites vraiment pas parce que ça peut être dangereux, comme je vous l'ai dit. Ça touche à ce qui est esprit, enfin, esprit dans la tête, je veux dire, tu vois. Pas les fantômes, ça, on s'en bat les couilles pour une fois. Ça touche à la tête, à ton cerveau. C'est bizarre. Comme je vous l'ai dit, ça s'apparente beaucoup à de l'hypnose. Donc faites vraiment gaffe à ça parce que ça peut être vraiment dangereux. Si vous faites n'importe quoi, que vous vous y connaissez pas en fait. Ça, c'est comme les cracheurs de feu. Si tu sais pas cracher du feu, crache des molars tout court, tu vois. Fais pas. Oh. Non, tu vas te cramer la bouche avec le comment ça s'appelle? Le. Tu souffles du feu, ça fait chia avec le feu. Tu m'as compris. Donc bref, faites vraiment pas ce truc. Comme je vous le répète encore une fois, même moi je vais pas le faire, tu vois. Sauf si vous mettez 30 000 likes sur la vidéo. Je force, t'es le plus grand des forceurs du monde. Je sais. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo sur ce truc parce que c'est grave kiffant en fait. Et voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de mettre un maximum de pouces bleus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es heureux que tu kiffes le délire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffe la vie. Ah, j'allais oublier. Le signe.